Approchez la mouton de Coco Service. Mouton avec garantie 3 jours propre. Aïna, approchez. La mouton de Coco Service, approchez. Après, oui. La bête, elle est malade. Hein? Non, c'est pas une bête, c'est un mouton. J'ai dit, elle est malade. Non, faut pas. Elle est quoi? Elle est malade. Elle a quoi? Elle chie, et puis elle est turbulente comme ça. Non, mais si le mouton chie, c'est normal. C'est normal. Toi, tu me fais la diarrhée. Elle fait la diarrhée. Oui. Là, tu lui donnes quoi à manger? Mais les herbes. C'est les herbes, tu lui donnes à manger? Bien sûr, avec les trucs de manioc là. Maintenant, tu lui donnes quoi à boire? Mais l'eau de robinet! Mais c'est toi qui as rendu le mouton malade? Ça veut dire quoi c'est ça? C'est toi qui l'as rendu malade? Ça veut dire quoi Il t'a dit que les moutons là viennent des États-Unis. Et puis ce sont les moutons qui sont greffés. La première semaine là, c'est de l'eau minérale, on les donne. Tu comprends un peu, non? Maintenant, les pots de manioc, les herbes que tu leur donnes là, c'est pas ça. La première semaine là, ils doivent manger les shawarma, les pizzas, les hamburgers. C'est ça, ils doivent manger d'abord. C'est comme ça. Attends, où vous foutez de moi? Non, c'est la vérité que je te dis. Où vous foutez de moi? Mais tout ce que tu vois là, quand ils sont arrivés là, au début là. C'est l'eau minérale, ils ont bu. Les hamburgers, les shawarma, c'est ça, ils ont mangé. Et puis après, maintenant, une semaine après, ils ont commencé à manger de l'air. C'est comme ça on fait, madame. Hein? Mais c'est que vous êtes un mauvais vendeur. Toi, les gens, ils veulent venir. Les gens, un ministre imaginaire de mon papa là. Et puis j'ai bien parlé comme ça, joli. Dès qu'on les a appelés, dès qu'ils sont venus. Madame, vous allez vous retourner avec ce mouton. Vous allez me changer ça, la bête. Moi, changer ce mouton. Vous allez me changer ça, la bête. Je viens de vendre mon plus grand mouton. Faut te retourner le mouton. C'est dit, tu vas me changer ça. C'est quoi le problème? C'est la fête, elle est bien. Faut pas que vous m'énervez. Elle est très très bien. Elle est rassasiée même. En fait, elle achète le mouton ici. Et puis elle réapparaît 3 jours après. Vous me dites que le mouton est malade. Tu es bien de. Madame. Oui. Vous dites que le mouton est malade. Très malade. Mais il dort où? Voilà. Mais c'est quelle question? Réponds. Il dort dehors, monsieur, il dort dehors. Tu vois ça? Madame, le mouton dort dehors. Au fait, ça, c'est un mouton qui vient des États-Unis. Mm-hmm. Hein? Normalement, quand il vient comme ça, là, il doit dormir dans une maison climatisée au moins une semaine. Ouais. Est-ce que vous avez une chambre climatisée là-bas? Attends, si je comprends, mais ça me dit quoi? Il doit dormir avec mes enfants dans la chambre climatisée là? Non, mais madame, il n'est même pas obligé de dormir avec les enfants. Les enfants peuvent venir au salon, voilà. C'est juste une semaine. C'est tout. Mais qui m'a conduit ici là? Ah, et puis, rassurez-vous que le climatiseur doit être à 17 degrés. Voilà, 17 degrés. Voilà. C'est ça. Mais voilà, donc on n'est pas mais si là, tu vas me changer ça là. Moi, t'es changé ça? Attends, tout ça c'est bon. Ouais, quoi? Et la garantie? Quelle garantie? La garantie, Aïe! La garantie a expiré depuis aujourd'hui à minuit. Ça veut dire quoi? La garantie a expiré il y a longtemps. Non, c'est aujourd'hui à minuit. C'est quoi ça? Quelle la garantie finie? Tu parles de quelle garantie même? La garantie, mais que vous voulez? Oh, c'est expiré depuis minuit, madame, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui à 3h. Madame, je ne peux pas changer. Oh, depuis minuit, c'est fini ça. Vous pensez que vous êtes malhonnête? Vous allez faire quoi? Vous là, vous pensez que vous êtes malhonnête? Vous allez faire quoi? Vous allez vous faire danser. Moi, me faire danser. Toute la moi, journée. Me faire danser. Même un mouton, vous n'allez pas vendre. Maintenant, il n'y a pas de danseur j'ai dans ma famille. Un mouton, vous n'allez pas vendre. Moi, je vends ça. Vous me connaissez. Ça, fini. Ça fait quoi? La vie claque goût. Nya nya. Oh. Aujourd'hui, là, vous allez danser. Je vais faire ça. Je m'en fous. Le colis de réseau livré là. Réseau livré là. J'ai donné ça à maman là. T'as donné ça à ta maman à la maison là-bas. D'accord.